Et salut à tous, mesdames et messieurs, c'est NXT89. On se retrouve pour Call of Duty Advanced Warfare. Yes! J'ai réussi à le dire, yes, pas mal. Bref, en tout cas, je suis super content d'avoir pu réussir à le dire. Voilà, c'est ma petite blague du jour. Bref, je vais encore baisser la luminosité, hein, excusez-moi. Hein, parce que franchement, ça me saoule, c'est horrible. C'est horrible. Quand je vois mes vidéos, ils sont bien, mais la luminosité est horrible. Donc, on va continuer où on en était. Donc, c'est vrai, par contre, je vous avoue que mes fins sont un peu pourries hein, dans mes vidéos. Hein, c'est vrai que c'est pas extraordinaire, je vous avouerai. Mes fins, je m'arrête toujours où ça me gonfle. Enfin, bref. Donc, on continue. On y va. Go, c'est parti. On va essayer d'arrêter le réacteur. On y va. Utilise ton drone d'assaut. Parti. Voilà. Allez. Je vais essayer les... J'arrive pas à parler. Je vais essayer de les détruire comme ça, là, avec le drone. Oh non, ils m'ont détruit. Oh là là. Attendez, ils sont où là? Y'a trop de bruit! Ah bah d'accord, je tire sur le vide moi. En fait, je vois personne en fait. Attendez, non, intelligent contact. Ouais, c'est celle-là. Je sais plus c'est laquelle là qui permettait de. Ah voilà, là je vois mieux là. Ah, voilà. Prenez ça. Oh non, oh non, oh 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 oh. Ok, j'ai eu peur. Ah mais c'est chaud là. Allez, tiens. Voilà. Ah, c'est chaud ce machin. Hein. Ah, mais j'ai un AK normal là. Voilà. Ah, mais ils sont partout en fait ces gens. Mais je les vois pas, ils sont où? Faut essayer de monter. Avec ce réacteur qui fait du bruit là. Là c'est chaud là. On me tire dessus là. Je sais pas d'où. Là je prends des balles là. Hein, mais je sais pas c'est où là. On me tire dessus comme un malpropre. Ah d'accord, c'est mal là. Ah bah c'est avec moi toi. Wow. Bravo, la température vient de monter en flèche. On y est presque. Wow. Tu vas mourir toi. Wow! Oh la chance! Qui sont ces gens là? Ça tire de partout, ça merde, je vois personne! Wow! Oh, je l'avais pas vu lui! Je vais rester avec mes potes, hein. Parce que là, ça sent le roussi, là. Ok.
Ah, comme il saute au calme, lui. Il n'y a personne en fait. Ah bah c'est bon. Ouh là ça pue là. Et c'est moi qui ouvre la porte hein, c'est ça? Ok. Salle de commande droit devant. On y est. On y est. Wow. Carter, ça va? J'ai rien. Qu'est-ce qui s'est passé? La porte était piégée. Cette console fonctionne encore. Branche-toi et lance les diagnostics. Utilise la console. Prophète, vous recevez? C'est bon, on voit ce que vous voyez. Ok. La température est stable, il faut qu'on remplisse les bassins. Merde, les niveaux chutent. Les conduits de vapeur ont été coupés. Chef? Merde, c'était stable il y a une seconde. Gideon, la température est critique. Annulée. Gideon, je m'en occupe. Accident de niveau 7. Évacuez les lieux immédiatement. Merde. Bien reçu. Bravo. La situation est critique. On file. Gideon, les ennemis mettent les voiles. Allez, faut pas traîner. Ouh, ça va être chaud là. Encore du gunfight. Joker, grenade. On est bon, continuez de tirer. Eh mais il se barre là carrément. Prophète, on a des hélicos d'extraction du caméra près des tours. Affirmatif, bravo 1. On les voit sur le radar. Bryce, 2-3. Attention, bravo. On tourne dessus là. Bravo. Les niveaux de pression sont critiques. Faites sortir vos hommes de là tout de suite. Vous l'avez entendu? On dégage. Bon, yo, tu fais quoi toi? Tu meurs toi? Putain, c'était quoi ça? Il y a un trou de pression. Tout va sauter. Sérieuse? Défermez les enfants d'abord. Laissez-moi passer. Bravo. Il y reste 3. Tu vas faire oh. Sacrément plaisir de voir. Ah, on tient pas sur eux? D'accord. Wow! On ne peut pas s'approcher de ces explosions. On va contourner vers la tour sud-est. T'es sérieux? Voilà l'hélico! Oulala! Wow! Aïe! Alors, amélioration! Oh non, j'aime pas trop les grenades, moi. Batterie, c'est quoi? Augmente de 1 le nombre d'utilisation des exocompétences. Bon, allez, faisons le truc, parce qu'après, sinon. Voilà. Le recul. Réduit le recul des. Ah oui, ça, c'est pas mal, ça. Parce que ça me saoule un peu, il y a beaucoup de recul, voilà. Eh, on y va! Les images que vous voyez sont en direct. Il s'agit apparemment d'une déclaration du chef du KVA, Hades. Chers citoyens du monde entier, aujourd'hui, vous tremblez. Vous tremblez.
désolé car nous vous avons sorti de votre léthargie. Il y a des jours que l'on n'oublie jamais. Des moments gravés dans nos mémoires jusqu'à notre mort. Où étiez-vous le jour où tout a changé? Il y a 4 ans, un homme a voulu détruire notre mode de vie. Un homme a voulu plonger le monde dans les ténèbres. Nous avons craint de ne jamais reprendre le dessus. Mais on l'a fait. Ensemble. Quand vous étiez vulnérable, nous vous avons aidé. Quand vous étiez malade, nous étions là pour vous soigner. Au cœur du chaos, nous avons rétabli l'ordre. Stabilité. Sûreté. Pour un nouveau départ. Qui sommes-nous? Nous sommes votre avenir. Bienvenue à Détroit! 2,5 millions de personnes dans des camps comme celui-ci. C'est pas des vacances, mais ils sont logés, nourris et protégés. Tout ça grâce à Atlas. Et le KVA calcule de s'installer juste à côté. Putain. T'as une sale gueule. 22 jours d'affilée. Le KVA n'arrête jamais. Nous non plus. Bien reçu. Ils allaient commencer à rapatrier des gens le mois prochain. Mais depuis que KVA s'est pointé, tout est bloqué. Ils protègent notre cible. On la traque toujours. Le docteur Pierre Danois. Il est à l'hôpital du centre-ville. On a le feu vert. 4 ans à traquer Hadès, et voilà que son bras droit se pointe à notre porte. Formidable. Hey, hey! J'ai toujours pas réussi à le joindre. Arrête de t'inquiéter. Tu leur fais confiance? Je sais que ça a l'air douloureux, mais c'est une simple procédure qui nous permet de mieux vous aider. Une fois votre ADN dans notre système, un travail vous sera affecté. Nous sommes flexibles, bien sûr. Votre séjour ici doit rester agréable, mais votre travail doit correspondre à vos compétences. Si vous avez des questions, adressez-vous à ceux qui portent un badge rouge. N'oubliez pas, la priorité est de vous faire implanter une puce ADN. Adulte comme enfant, pas d'exception, pas de dérogation. Tout le monde doit avoir une puce ADN. Merci de votre patience. Je voulais juste un peu moins sur la situation. Une seconde, capitaine. Recherche d'isotopes en cours, veuillez patienter. Qu'est-ce que le KVA fait à Détroit, chef? Une ville désertée, sans police ni témoins. L'endroit idéal pour cacher quelque chose. Ou quelqu'un. RAS, bonne chance à vous. Gideon? Torres, on peut y aller? C'est tout bon. Les motos sont prêtes et on est dans les temps. Parfait. En selle. Synchronise-toi avec moi. Reste en pilotage automatique. Bravo 2-1. Le docteur est toujours stationné à l'hôpital. L'heure tourne. Compris, prophète. Point de contrôle bleu à 5 minutes. Souvenez-vous, c'est une capture. Il nous mènera à Hadès. Compris. Terminé. Nom et numéro de mission. Gideon, mission 5527. Attendez. J'ai 4 agents à moto en approche. Ordre de mission 5527. Ok, c'est bon. Ouvrez le passage.
J'arrive pas à croire que c'est Détroit. Ça a pourtant pas changé des masses. En approche du point de contact, à 12h. Prophète, ici Bravo 2-1. On est au point de contact. Attendez. En attente, 2-1. Je vais passer par le nord avec Mitchell. Vous deux, vous prenez le sud. Rendez-vous sur Bait Street. Bien reçu. On nous signale une activité au nord-ouest, à 100 mètres de votre position. Ok. On reste sur le qui-vive. Bon. Véhicule de nettoyage de bord. Personne n'est censé se trouver dans le secteur. Moi qui pensais avoir. Bon, lui il parle de jour. Bon, bah je ferme ma bouche alors. Prophète, on est au point de contrôle bleu. On traverse l'école. Compris. On suit votre progression. Merde. Putain. Joker, on a des cadavres. On dirait une équipe de nettoyage. Il manque des combinaisons. Traitez tout individu en combinaison comme hostile. Compris. Si le KVA agit à couvert, il y a des chances qu'ils soient plus nombreux qu'on le pensait. Mitchell, occupe-toi de la porte. La porte. On monte. Je sais pas vous, mais je sens que Gideon, il va mourir. Je sais pas vous. Je vous rassure, j'ai jamais vu le jeu. Hein. C'est la première fois que j'y joue, donc je sens la mort de Gideon arriver. Enfin bref, y'a quoi là-bas? Par ici. Alors, est-ce qu'on se bat face à des monstres ou face à des humains finalement? Parce que c'est un peu le remake de Metro 2033, mais en mieux quoi. Enfin, on va voir s'il y aura des monstres. Ouais, je vous laisse dans le jeu. Je vous plonge dans le jeu. Mitchell, tiens bon, je vais essayer de te rejoindre. Et merde, si tu peux, essaie de passer au sud. On reprend contact là-bas. Oh non, c'est Mitchell, pas vrai. Je vois pas mal de mouvements. Reste planqué.
Oh non. Oh non, non, non. Pourquoi ça refait le remake d'Outlast? Pourquoi? Faut les barreaux là. Punaise. Oh non. Oh, ça me rappelle Outlast là. Parmé. Oula. Oula, 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 oula. C'est une lumière de chez eux ou c'est la lumière. J'ai pas compris là. C'est quoi la lumière là? Là, je suis un peu perdu. C'est quoi la lumière là? Bon, j'avance hein. Non, c'est la lumière du truc. Bref. Punaise, pourquoi? Mais ce jeu est complètement fou. Pourquoi on est allé qu'à deux, hein? Punaise, je sens pas le jeu. Alors là, je m'attendais pas à ce truc-là. Là, pour une fois. Des fois, je sais ce qui se passe à l'avance, mais là, j'ai voulu vraiment m'éviter tout spoil. Oh mince, oh mince, oh mince, oh mince. Oh mince, oh mince. Il va pas bouger, lui, hein. Et il bouge pas, lui. Monsieur, faut bouger. Sinon, moi, je peux pas passer, hein. Allez. Il bouge même pas, lui. Ok, d'accord. Punaise. Oh, comment je tremble là, je vous assure que là j'ai la tremblote. Est-ce qu'il faut que je tue par derrière? Je sais pas du tout. Punaise, punaise, là je stresse. Non, je conne. Ouh là là. Il va aller où là? Oh mince, oh j'ai du chaud. Là vraiment, je devrais que je stresse, hein. Mais bon. Oh mince. Punaise, mais qui aurait deviné que ce jeu serait tombé comme ça, quoi. Punaise, fallait parler en plus. What? Oh, je sens pas le jeu. Bon, j'ai vu pire, hein, avec Atlas. En fait, le truc meilleur, c'est que tu pars armé. Je suis à l'extérieur, en bas de l'escalier de secours. Punaise. Mitchell, je suis là. T'es où? Ouf, t'es là. J'ai cru que tu t'étais fait repérer. Patrouille droit devant. Faut accélérer le mouvement.
On va devoir les tuer. À toi de jouer. Maintenant. Il en vient d'autres. Secoue-toi. Wow. Wow. Oh, des chiens en plus. Bah, je vais me baisser parce que là... Punaise, allez. Attrapez ça. Ah, je me sens mieux avec l'arme là, hein. La perso, je me sens mieux. Là, ça me rappelait trop Outlast, quoi. Yes, Oh, oh. Elle est bien cette arme, hein. Il va où, lui? Ah, ok. D'accord. Pourquoi je peux jamais prendre des munitions ici? C'est pas normal. Là, il se passe quoi, là? Ah, d'accord, ils sont là, ok. Oh non, pas les chiens. Oh, pas les chiens, oh, pas les chiens. Wow. Oula. Ils sont morts là? Mec, il t'a dit tout à l'heure là. Ah, toi, tu me canardes au calme, toi? Oula. Il fait trop le malin, lui, hein. Allez, mon ami, salut. Eh bah, ils sont deux à terre. Il y en a encore d'autres? Street. Y a des types du KVR partout. Permission d'attaquer. On est presque arrivé. On a besoin d'un médecin. Ah, j'ai plus d'armes, moi. Ok. Waouh. Oh, comment j'ai eu le... J'ai un grand stress là tout à l'heure là. Et là, je me sens mieux là. Wow. Voilà. Bon, ça me saoule, ils sont où là? Voilà. Vous cachez trop là, ça me saoule. Voilà. Ça t'apprendra à te cacher. Ouais, ils sont chauds là, hein. Wow. Je sais, faut que je les renvoie, mais j'y arrive pas, hein. Tu fais quoi, toi? Voilà, ça c'est fait. Il n'y en a plus, là? Ah non, il y en a encore. Bon, quoi? Ah, d'accord, ok. Oh, la chance. Envoyez un médecin. Il tire bien dessus, lui, hein. Pas que je meurs tout de suite là. Pas que je meure là. Moi j'ai pas envie de mourir, hein. Ouais, pêche ça. Il y en a encore là? Non, c'est bon. Ah là là.
sont pas morts, hein, ces gens, hein. Faudrait que j'apprenne à les renvoyer, hein. Ah, d'accord, il est pas avec moi, lui. Oh, d'accord, il est pas avec moi, lui aussi. C'est fini? Des infos sur le docteur. D'après les traceurs biométriques, il est toujours à l'hôpital. Bien, faut quitter cet endroit. En route. On n'a aucune couverture dans cette rue, chef. Le camion, il nous servira de couverture. Sérieux? Hôpital à tourner, allez. Docteur, couvre. Ouais, il se passe quoi, là? Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh. Allez, couvre-nous! Je me fais tuer là, hein. Mais voilà! Punaise, ça sert à quoi de pousser si après il nous frappe, quoi? Excusez-moi, c'est mon téléphone, ça. T'es là, mais d'abord, je les tue, hein. J'en ai marre, là, me tire dessus. Hein? What, mon tir d'où là? What? Ah bah attends, avance. Attends, y'a un gars là, un mec. Je sais pas qu'on fasse au joker, moi. Hein. De partout, c'est saoulant. Ouh là là. Ouais, c'est bon là. C'est chaud, hein. Bon, c'est bon, là. Oh, c'est chaud, hein. Il y a un gars là qui me vise là, hein. Fais quoi toi? L'amateur! Mais j'en vois un chien là. C'est vraiment trop bien ce machin. Envoyez un médecin! Envoyez un médecin! Et après on fait quoi? Tout ça pour ça? Sérieux? Allez, dernier point, puis après je vais m'arrêter ici, hein, sur la vidéo. Comme ça, c'est un dernier point, je m'arrête là. C'est méchant ça? Ah non. Hein? Wow! Wow! Oula 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 oula. Prenez ça. C'est bon. C'est fini là. Ok. Oula, il a fermé la porte lui. Ok, t'es avec moi toi. Excuse-moi. Oh, il m'énerve. Oh, moi qui fais qu'elle recharge, lui. Oh, c'est chaud, là. Oh, comme il m'a eu, lui.
Voilà, fin malin, bah t'es mort. On y est. Elle est infiltrée. Évidemment, c'est moi qui fais tout, hein. Vous avez vu Hadès récemment? Je dirai rien. Ouais, ils disent tout ça. Jusqu'à ce qu'ils se mettent à crier. Vous croyez que ça change quelque chose? Vous n'avez pas idée de quoi elle est capable. On est tous morts. On est morts. Morts. Pas encore. Allez, on l'emmène. Avec plaisir. Mitchell, avec moi. Ok, et ben je m'arrête là. Ah, je sais, c'est un peu énervant, mais je m'arrête là. Voilà, je m'arrête ici. Donc, c'était bien. Franchement, j'ai eu un bon moment de peur, je vous avouerai. Ça a fait du bien un petit peu au jeu. Je trouve que ça a installé un peu. Ça m'a plu en tout cas ce moment de peur. J'avais vraiment la pression quand j'avais pas d'armes et ça m'a plu. Donc voilà. Donc c'est bientôt Noël. Donc je vous souhaite déjà un joyeux Noël. Je sais pas quand est-ce que je vais en fait la mettre. Je sais pas si je vais la mettre le 25 décembre ou le 24. Je sais pas. Je sais pas quand. Donc, parce que là, il me reste chez moi normalement 2 jours avant Noël. Donc, voilà. Je sais pas quand est-ce que je vais la mettre. Donc. Happy Christmas, évidemment, je dis en anglais. Donc, soyez bénis et évidemment, joyeux Noël à tous, si jamais, évidemment, cette vidéo le 25, je ne sais pas. Donc, voilà, je vous dis joyeux Noël déjà d'avance, au cas où je la mets le 25. En tout cas, si je l'ai mise le 24, bon bah, désolé, hein, je suis un peu en avance. Voilà, bref. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Évidemment, espérons que ce soit sur Call of ou sur un autre jeu, on verra. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir suivi. Soyez bénis. Thanks and comment!